हम हमको कैसे तैयार रहना है, हमें अपनी संकल्प में कैसे शक्ति भरनी है, कैसे सिद्धि लानी है। Nous devrions rester toujours prêts et avec le pouvoir de la volonté, continuer à s'imprégner de la pureté. Baba, hum bachon ko har paristhiti ke liye. Om Shanti. Baba, nous garde prêts pour chacune des situations. Cela devrait rester dans notre esprit. Quel que soit les bouleversements qui arrivent dans le monde, nous devrions avoir cette détermination et nous pouvons faire que notre niveau soit fort. Nous devons aussi devenir heureux. En écoutant le Murli, vous allez l'aimer, vous devriez l'écouter à chaque jour, mais nous devrions pratiquer aussi à chaque jour pour augmenter notre pouvoir. Baba a parlé beaucoup des pensées ces derniers jours. किसी भी तरह का डिस्ट्रक्टिव सीन होता है आजकल देखो एक्सीडेंट हो रहे हैं लोग बहुत शरीर छोड़ रहे हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं विनाश के समय पेपर में aujourd'hui Baba nous dit dans la bénédiction que nous devrions prendre la forme d'une lumière subtile. Et donc, nous allons réussir ainsi le test au moment de la destruction. Donc, puissiez-vous prendre la forme d'une lumière subtile? Baba, un jour, quelqu'un est venu pour vouloir le tuer. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu Baba, il a vu sa forme de lumière. Donc, cela l'a effrayé. Et donc, il y a eu un bruit, il a eu peur, il voulait s'enfuir et Baba a dit, enfant, ne panique pas. Donc, nous devrions pratiquer cela. Alors, notre forme devrait être la forme d'une lumière subtile. Afin de réussir le test au moment de la destruction et de faire face à toutes les situations adverses, adoptez la forme d'une lumière subtile. Soyez celui qui a sa forme de lumière subtile. Lorsque vous devenez des phares mobiles, votre forme physique n'est plus visible. जैसे कोई पार्ट बजाना होता है ड्रामा में तो वैसा Alors, ce sera comme si vous portiez un costume pour jouer votre rôle et aussitôt que vous avez fini de jouer votre rôle, vous l'enlevez. Donc, Baba dit, endossez-le en une seconde et retirez-le ensuite en une seconde. C'est-à-dire, détachez-vous, devenez détaché. Lorsque vous exercerez ainsi,
Les gens qui vous regardent verront que vous portez un costume de lumière et que cette lumière est votre décoration. Lorsque vous portez un costume de lumière, ils verront que cette lumière est votre décoration. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Vous devez vraiment l'essayer et voir ce que vous pouvez faire. Et la devise, en portant constamment vos ailes de l'entrain et de l'enthousiasme, vous serez facilement victorieux dans chaque tâche. Dans chaque tâche. Donc, vous aurez du succès dans chacune des tâches. Et Baba dit de vous asseoir et de créer un niveau de légèreté, de puissance. Donc, c'est la lumière et le pouvoir. Plus il y a de la lumière, plus il y a du pouvoir. Alors, stabilisez-vous dans cette forme détachée du corps. Vous devez pratiquer cela. Vous allez être détaché du corps et votre corps sera un corps de lumière. Vous allez voir une forme de lumière. Et donc, aussi, asseyez-vous et voyez votre forme de lumière et votre pouvoir. Et Baba dit, tout en bougeant, tout en vous déplaçant, pratiquez. Et vous allez vous ressentir très léger, vous aurez du zèle, de l'enthousiasme. Vous ne vous sentirez pas fatigué. Donc, quelle que soit la pratique que Baba nous demande de faire, c'est notre niveau. C'est pour obtenir un meilleur niveau que nous devons le pratiquer. Notre niveau sera créé avec la pratique. Une scène qui arrive, une situation, ce n'est pas entre nos mains, c'est une scène du drama. Et nous ne devrions pas être dérangés par les scènes du drama, mais nous devons aussi jouer notre rôle. Et pendant que nous jouons notre rôle, nous pouvons endosser notre costume pour ce rôle précisément, et ensuite vous le quittez dès que vous avez fini. Alors, cette pratique, si vous la faites un peu, vous allez avoir de très belles expériences. C'est là que Baba dit, pour passer les situations, pour vaincre les situations, les tests, nous devrions avoir cette forme de lumière et de pouvoir. La forme de la lumière subtile. Et dans la région subtile, nous voyons la forme subtile de lumière. Hier, Baba disait, créez les régions subtiles ici. Donc, c'est possible, mais comment? Chacun de vous peut devenir des lumières subtiles. Et lorsque nous atteindrons ce niveau, toutes les tâches seront accomplies facilement. Nous allons aller dans les régions, la région subtile, au-delà du son. Ici aussi, autant que vous êtes capable de jouer votre rôle,
Donc, les autres aussi vont comprendre s'il y a un message. Le message aussi, on va pouvoir le capter. Donc, nous devons vraiment pratiquer, faire des expériences. Et nous nous préparons maintenant pour aller à l'âge d'or et dans les régions subtiles. Donc, pour la préparation, nous avons besoin du niveau de lumière et de pouvoir. Donc, Babaji, vous devriez être comme des phares mobiles. Ayez cette pensée et vous allez avoir de très belles expériences. Om Shanti.